Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mikoupa. Alors, je sais, je devais vous retrouver devant Sadia Adler, mais il y a un truc assez marrant qui vient de se passer. C'est tout simplement, ce mec, il m'a demandé de l'aide. Forcément, je suis descendu du cheval pour voir ce qu'il avait à me dire. Et finalement, il est monté dans le cheval parce qu'il voulait me le voler. Du coup, il se retrouve avec une petite balle entre les deux yeux. Regardez-le. Alors, en plus, ça a que 1 $. Est-ce qu'on peut le tuer comme ça? Connard, va. Personne n'essaye de voler mon cheval. Bref, nous pouvons continuer notre chemin, du coup. Le pire, c'est que le mec, il avait aussi une arme, donc il essayait quand même de me tuer pour que je retrouve jamais mon cheval, vu que je serais mort. Donc, voilà. C'est assez marrant, mais je suis un peu déçu que ce genre d'événement, on l'a pas énormément dans le jeu, parce que je me dis, si on l'aurait eu pas mal de fois, ça aurait été assez marrant. Mais bon, c'était que la première, et sûrement la dernière. Du coup, ça fout un peu le seum, mais bon. Ah bah du coup t'es pas mort. Sadie. Miss Adler. Madame Adler, veuve 1. Oh putain, il y en aura des missions comme ça avec elle. Ou il y en aura peut-être deux ou trois. Bon, on va l'aider, hein. C'est notre meilleur ami pour la vie. Thank you, Arthur. Want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? On va l'accompagner, ça sera plus simple. Parce que si on reste en arrière, déjà il n'y aura pas de discussion et du coup ça sera nul à chier, de 1. Et de 2, bah. Ça voudra surtout dire que on l'aide, mais on n'est pas obligé de faire la mission maintenant. Genre on pourra peut-être démarrer la mission un peu plus tard. Enfin, je suppose. De toute façon, on ne le saura jamais maintenant. Du coup, je sais. Ah bah en plus, ça nous fait passer le truc. Tant mieux. Oh, tant mieux que ça passe. Comme ça, on n'a même pas besoin de faire 10 minutes de. Là, on vient d'économiser pas mal de temps de vidéo. Et ça, c'est trop cool. Enfin, je dis ça, mais la situation va se fail sur la mission. Du coup, bon. Ça va être affreux pour le coup. Ça va être affreux et très chiant. Ah, Madame Adler, veuve 2. Ah, déjà. Donc, veuve 1, c'était juste pour parler de ça en fait. I think there's a bunch of them down there, and mostly drunk. But one of them, that fellow with the beard, him, he's mine. Okay. Ils se sont même créé un campement. Hein. Attendez, je vous l'ai déjà dit, ça me trigger ce genre de truc.
Mais attends, là c'est notre camp en plus. Mon Dieu, c'est tellement loin. Mais heureusement qu'on a décidé d'être avec elle, c'est tellement loin. Mon Dieu. Mais c'est quoi ça? Clear. C'est trop loin. But spread pretty thin. I'll set it off and then we'll take it from there. Take it from there. Okay. So no real plan then. Oh, I got a plan. Now come on. Is that a woman? Jesus. Who the hell is that lady? Hey, that's a lady from the hanging. Ah d'accord, elle a brûlé un mec en fait. C'est marrant. Attends, on va quand même essayer de se mettre. Bon, j'avoue que je sais même pas qu'est-ce qu'on peut tenter là, mais bon. Putain de jeu buggé de merde. On a dépensé toutes nos balles sur ça, hein, sur du bois de merde pour ce fils de pute. Ah le bâtard. Putain, enfin il prend sa balle, merde. Oui, bien sûr, on va aller. Forcément, il prend pas sa balle en pleine tête, allez, c'est pas grave. Bien sûr, il prend pas sa balle, bah ouais. Il n'y a pas de tireur. Fils de pute. I'll try. Who's in here? Come on.
Eh merde. Crackers. Putain, mais espèce de culé de fils de ta mère. Quand même le fouiller avant de rentrer. Il essaye de la tuer. Ils sont dans la chambre. Mon Dieu, j'ai peur de ce qui va se passer. Bah ça va, je pensais qu'elle était en galère. En plus, ça parlait pas du coup. Mon Jakey. Du coup, ça y est, on en a fini avec les Odrisicon maintenant. I think I need to be alone for a bit. I understand. You, I want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. La mission est terminée, Madame Sadie Adler, veuve 2. Ah, ça brûle toujours. Putain, ça prend du temps quand même, hein. Ça crame bien. Du coup, ah bah ouais, du coup, ça nous avait littéralement fait un nouveau bout de map, là. Ok. Captain Monroe. Y a pas autre chose quelque part, non? Non, que dalle. Bon, ok. Ça va être long. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Après, peut-être qu'entre temps, ça va nous mettre d'autres missions, hein, qui seront un peu plus proches de nous. Ce que je souhaite, honnêtement. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et puis, voilà. Mais c'est pas grave. On va marcher ensemble, même si on n'a rien à dire. On va juste regarder ça. Arthur en train de courir avec son monsieur connard. Parce que c'est beau. Et c'est un peu apaisant.
Ah là là. Je sais pas, c'est touchant ce qu'elle nous a dit quand même. Comme quoi, sur. Bon, après, c'est vrai que. Avec tous les autres, il n'y a pas énormément de personnes. Il n'y a pas énormément de mecs sympas, mais bon, quand même. C'est quand même touchant, je trouve. Ah, attendez, on va faire des courses quand même parce que. Ah, quel con. Parce que quand même, faut qu'on se prenne de la bouffe qui nous donne de la vie, hein, parce qu'on n'en a pas du tout. C'est sûrement le truc auquel on a le plus besoin. Mais non, mais Arthur, merde. Oh. D'accord. Welcome. How do you do? Oh dear. Have you come down with the flu as well, sir? Oui. Hey there. I don't think I've seen you in here before. Snacks and booze on the back wall, razors, soaps and whatnot to the side. Dans de nombreux magasins, vous pouvez fortifiant. Ah, soins pour cheval. Ça peut être intéressant pour Monsieur Connor. Oh oui, des réanimateurs. On va en avoir besoin de ces merdes. Dans Steam, réanime un cheval, restaure entièrement l'énergie et la renforce. Stimulant puissant, restaure complètement l'énergie de votre cheval et la renforce modérément. Remède puissant. On va tout prendre pour Monsieur Connard là, franchement. En plus, ça coûte pas cher. Ah. Bon, là, j'ai pris peut-être un peu trop de remède, effectivement. Mais au moins, c'est bien. Monsieur Connard, il est parfait. Dans le vêtement, il y a quoi? Non. On va rester avec notre tenue de base. Comme des gros puants. Bien dégueulasses. Fortifiant miracle. Ah, ça, c'est bien. Pommade pour cheveux, ouais. Pourquoi pas. Gomme à mâcher à la cocaïne. Mais c'est quoi ça? Mais non, mais vous êtes sérieux. Ah, il y a une autre page. Ah non, ça c'est pour les balles. Provision maintenant. Pour voir. Ah, nourriture en conserve. Non, faut que je prenne un truc qui donne pas mal de vie. Ah, du corn et beef. Vous pas. On va prendre le maximum de tout, j'en ai rien à foutre. De toute façon, on a trop d'argent à perdre. On va le mettre bien. Oh, des fraises. Ça, c'est bien. Du maïs. Ah, c'est pour le cheval, ok. Ah, bah, tant mieux. Bah, on va quand même prendre pas mal de bouffe pour Monsieur Connard. D'accord. Ok. Du pâtipain. Ah oui, ça donne beaucoup. Les galettes d'avoine, c'est vrai que ça donnait énormément au cheval. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Du bourbon Kentucky, non. Du rhum de Guarma. Des cigues. Du tabac chiqué, pourquoi pas. Des cigarettes de qualité. Entame légèrement votre noyau d'énergie. Bon. Attendez, qu'est-ce que t'as là me proposer, man? Fortifiant pour barbe et cheveux. Allez, hein. Ok. Je pense que là on est bien. Franchement, je pense qu'on est bien là. Franchement, merci monsieur. Là, tu nous as mis bien jusqu'à la fin du let's play. Là, on est parfait. Franchement, on est bien jusqu'à la fin du let's play. Après, je l'espère. Hein. Bon, on va quand même se soigner hein, parce qu'on n'a pas énormément de vie. Mon dieu. C'est énorme tout ce qu'on a. Ça, on va les garder pour le cheval.
Là, il n'y a pas d'autre choix, on est obligé de le garder pour Monsieur Canard. Oh là 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 là. Eh, Monsieur Cheval, mange. Oh, allez, mon bébé, mange. Mange, mon bébé canard. Oh là là, même lui, il est fou maintenant. Oh là 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 là, ça fait du bien de voir ça. De voir Arthur et le cheval full, c'est bien. Et en plus, là, maintenant, on peut faire des accidents, on s'en fout, mais on a des trucs pour revive le cheval. Du coup, maintenant, si on fait un accident, j'en ai rien à foutre. Limite, le cheval, il peut crever, on le réanimera. Là, on s'est mis au max pour le réanimer. C'est bon, là, on est très bien jusqu'à la fin du let's play. Il peut crever un milliard de fois, c'est pas grave. Enfin, peut-être pas un milliard, parce que... Oh, et je pense qu'au bout d'un moment, le cheval se mettra une balle dans la tête tout seul. Il est un peu con si ça, vous en conviendrez. Mais en même temps, ce serait marrant. Un cheval qui se suicide. Le seul que je connais qui peut faire ça, ce serait BoJack Horseman. Mais vu que la série est terminée... Bon, d'enculé. Pourquoi vous avez fini une série trop bien? Bref. Vous venez d'entrer... Ok, on s'en branle. Ouh. Bah je vous l'ai dit, on s'en fout. On s'en fout, on a trop de soins. On peut se mettre bien nous et le cheval. Ça y est. En plus avec tous les remèdes qu'on a achetés. Là même en plein fight, on utilise le remède, on est tranquille maintenant. Là. Là on est juste mais. Parfait quoi. Peut-être même qu'il y a des trucs qu'on prendra. Peut-être même on a des trucs qu'on a, mais ça ne servira à rien pour l'épilogue. Hein. Enfin, je sais pas. C'est à la fin du chapitre et c'est sûrement l'un des trucs les plus importants et qui fait le plus pleurer dans le jeu vidéo. En tout cas, l'un des trucs qui peut faire le plus pleurer. Mais voilà, je ne spoilerai rien parce que c'est trop important. Même si vous connaissez le jeu, même si vous savez ce qui va se passer, je ne dirai rien. Et s'il vous plaît, ne dites rien dans les commentaires parce que... Parce que ça, sinon ça gâche quoi. Par contre, quand on arrivera à la vidéo où on est à la fin du chapitre, spoiler, là vous avez le droit de vous dire « Oh putain MDR, et moi je le savais que... » Et... Ah, je vais pas le dire quand même. Oh. Et bah alors mon cheval. Comme ça on n'a plus d'endurance. Bah oui, t'es content hein. Ouh. Et bah tiens, mange monsieur cheval, mange. Merde. Bon, tu vas manger, connard. Voilà. C'est bien, putain. Ah, c'est trop bien. Ça, franchement, trop bien ce qu'il se passe. Il va y avoir une averse dans le jeu. Je le sens. Et en même temps, parce que ça se voit un peu. Bah, je vais pas regarder juste le ciel, comment il fait sombre. Ouais, hein. Comment ça notre vie elle était en train de baisser là? J'avoue que j'ai du mal à comprendre ça. Il y a des ennemis ou c'est des flics? Enfin dans tous les cas c'est des ennemis mais... Pourquoi t'as peur monsieur cheval? Qu'est-ce que t'as, monsieur le cheval? T'as peur de quoi? Attendez, on va essayer d'enfoncer. Yes! On est foncé sur lui. Ah merde, il s'est barré. Oh l'enculé. Oh, il m'a bien baisé. C'est qui ces mecs là? Bon, c'est pas des flics. Ils en ont rien à branler.
ils en ont rien à foutre. Bref. Vous venez d'entrer. Oh putain, mais ils nous emmerdent avec leur animal légendaire, on s'en fout. De toute façon, faire un 100% dans un jeu Rockstar, c'est dur. Alors, vous croyez vraiment que je me ferais chier à le faire? Et encore, si je devrais le faire, au pire, ce serait dans GTA V parce que je connais beaucoup plus la map. Et en même temps, parce qu'il y a des milliards de vidéos qui disent MDR, regardez comment on fait le 100%, blablabla. Alors il y en a aussi pour Red Dead. Mais Red Dead, la map est tellement plus grande que celle de GTA V que non, ça donne pas envie. Ça donne tout sauf envie de le faire. Enfin, je dis pas, il y en a qui l'ont fait le 100% et tant mieux pour eux. Mais ça donne pas envie. Moi, ça me donne pas envie, honnêtement. Parce que. Bah, c'est... Ah oui, et du coup, aussi dans ce qui se passait dans la vidéo qui n'a pas été enregistrée. Les militaires ont tout simplement les chefs plus battantes. Son camp a été complètement brûlé. Et du coup, on a dû tous les buter. J'ai étudié une poule, attendez. Bien. Hello. Yeah, I promise. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all of this. Well, we are, mostly. Colonel Faber seems to think the natives have broken some promise they never made. Apparently, he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out. He knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best. Children dying of disease. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to a pediatric coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, you must act with due caution. We shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Attendez, parce que ce voilà, on n'a plus le point. Bon, capitaine Monroe. Yes. And no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself. Incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that tribe. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. Rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for it. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We cannot afford more conflict. Especially if the Eagle Fly is now in prison at Fort Wallace. I'm still hoping the meeting can be arranged between Rain's Fall and Colonel Babers. On a marché sur un animal. So I should drop the wagon. RIP. Oh no, no, no. You only need to commandeer the vaccine. Ah, forcément les vaccins et tout. Has many flaws, but I don't believe he's callous. Poor and insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone.
He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Oui, enfin, ça c'est de la logique en même temps. Si t'as tout perdu, c'est normal que t'es dangereux parce que t'as rien à perdre. Du coup, t'es encore plus dangereux et tu fous encore plus le bordel. Pardon. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Allez, on va tuer du... Je sais pas, mais pourquoi t'es bugué? Putain, heureusement qu'on n'est pas tombé comme une merde, hein. Et heureusement que ça le fait automatiquement, sinon on est mort. C'est pas faux. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is? Save us all. Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. Think that's the wagon? All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. But all I do is... Pas du tout. Good luck. Ah, par contre, faire le ménage pour tous les... On peut pas te le promettre, mais on sait que ça arrivera parce que bah. Je viens de me fail là. Et avance, fils de pute. Putain, il va nous échapper, le bâtard. Bon, attendez, on va quand même ranger notre arme là pour l'instant. Putain, j'ai peur. Ouais. J'ai tellement l'impression qu'on va perdre comme des merdes. Voilà, on en a fumé un, maintenant il nous reste le deuxième. Qui n'est pas parti loin étonnamment. Déjà qu'il nous attendait. Ah bah voilà, merde. Jeu. Arrête, monsieur le jeu. Ah bah non, c'est peut-être ça qu'on doit ramener. Non, même pas. Ah, je suis un peu déçu. Ça aurait été plus simple de ramener ça, mais... Après, c'est vrai que non. On peut pas les... Ouais, voilà, détacher. Juste pour casser les couilles au gouvernement.
Allez, t'es détaché, mon beau. Mon monsieur cheval. Aïe. Bon, allez. Mais... Bon, vu qu'il faut toujours faire ça. Je voulais vraiment pas lui faire ça, mais bon, si c'est le seul moyen qu'il fallait pour qu'il se barre, hein... Le pire, c'est que je voulais même pas tirer sur lui, je voulais tirer par terre. Par contre, le coup de pied qu'il m'a mis, l'autre, ça m'a presque rien fait. Hein. Alors que normalement, un coup de patte de cheval, ça peut presque te tuer, ou du moins ça te défonce les organes. Et ça peut te casser pas mal d'os. Du coup, le fait que là, ça ne nous a rien fait. Enfin, je sais pas, notre vie, elle est toujours aussi haute. Ça fait bizarre, honnêtement. Mais bon. Ah, il y a un mort. Oh là là, on se demande qui a pu le tuer. Quelle maladresse. C'est fort dommage. Yes. On en a fumé. Trop bien de renverser des animaux. C'est trop marrant. Oh. Alors. J'espère qu'il va rien se passer par contre, enfin à part nous dire ouais merci, t'as sauvé les Indiens, j'espère qu'à part ça, il va rien se passer de grave. Même si ça m'étonnerait pas si c'est le cas honnêtement, mais bon. Allez monsieur cheval, cours, on est presque arrivé, j'espère. T'es fatigué, hein? Bon, on va t'apaiser, mon bébé, mon monsieur cheval. Maintenant, tu manges. Oh putain! Ah bah là, va falloir l'augmenter. Ah, sa santé niveau 5, parfait. Bon, il prendra du temps à crever. L'énergie qui augmente aussi, parfait. Tant mieux même. Bah, va falloir lui à manger à ce cheval pour que le lien il se renforce à fond. Va falloir en faire pas mal. Parce qu'il va être un peu long et chiant, mais en soi pas grave. Hein. C'est bien le cheval. Mr. Morgan. Attends, on veut que dalle là. Il sait qu'on les a tués. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not. Oh no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Et même, se faire tuer parce qu'on a fait quelque chose de bien. C'est pas si grave que ça. Enfin, ça fait chier d'être mort, mais disons que c'est pas la mort. Ah bah si, du coup, merde. Bon, attends, c'est quoi ce F là? Ça m'intrigue. Ah non, c'était un T. Travelini? Ah bah ouais, c'est bien lui. Bon, on va regarder un peu partout. Non, il n'y a rien d'autre autre part. Bon bah vas-y, Travelini alors. Ah bah du coup, faut revenir au camp. Ah bah oui. Trelawney. Putain, par contre, ça va être chiant ça. Hein. Ah, je déteste quand on peut pas marcher dans les camps. Enfin, qu'on peut pas courir avec le cheval, c'est affreux.
Ah, c'est dégueulasse même. Mais en vrai, voilà, vu qu'on a pas mal de chemin à faire, je pense que je vais le faire de mon côté, hors vidéo du coup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, bien likez, commentez, partagez, et surtout abonnez-vous. Sur ce, c'était les Mikoupa, et puis moi, je vous dis au revoir tout le monde.